voilà. C'était pas dur quand même, un bon film, un bon réalisateur, et là on a un film King Creole qui est presque parfait. On peut le dire, presque parfait. En tout cas, c'est le meilleur film d'Elvis. Moi j'aime mieux peut-être Flaming Star, mais je l'ai pas encore vu, normalement. C'est bon C'est ça. pas grave, mais je sais pas pourquoi il y a un spectateur récalcitrant, il s'est barré avant la fin. Mais il n'a pas aimé ta remarque en fait. Ouais, un fan d'Elvis volant. Avant même d'avoir vu le film en entier, je me repassais le début à chaque fois. Tu vois, l'arrivée de la première chanson et l'arrivée d'Elvis. Cette séquence, elle est majestueuse. Elle n'a pas pris une ride et elle représente vraiment ce qu'était le kink à cette époque-là. Le film a été tourné dans des décors réels, dans la Nouvelle-Orléans. Et je pense qu'on peut le dire que non seulement King Creole est le meilleur film d'Elvis globalement, hein, avec probablement le meilleur réalisateur qu'il a pu avoir. En tout cas, Le plus le plus reconnu, légendaire, quoi. C'était voilà, vraiment et aussi une distribution que des bons que acteurs. des bons acteurs. D'après ce que j'ai lu, Michael Curtis, qui le prenait pour une espèce de vedette machin qui avait pas d'intérêt, a dit après le tournage que c'était vraiment un type adorable, quoi. Je pense que c'était ça. Il a dit Oui, c'est en bon. fait, Michael Curtis fait partie d'une autre génération. Pour lui, c'était pas un acteur, il faisait que du rock'n'roll, et c'est vrai qu'au départ, il voulait pas tourner ce film. Mais bon, il a quand même voulu rencontrer Elvis. Et il a directement été charmé par le charisme d'Elvis. Et il avait juste une exigence, enfin deux petites exigences. Non pas qu'Elvis était gros, il était mince à cette période-là. Mais il voulait quand même qu'il perde un peu de kilos. Parce que Elvis, ça faisait partie de son charisme, mais il était un petit peu. Il Il avait des était, bonnes ouais. petites joues. Et voilà, pour Curtis, il voulait dans ce rôle qu'il perde un petit peu de poids. Il Ce avait qu'Elvis. besoin d'un bon service militaire, parce qu'après son service militaire, il était parfait, quoi. Aussi. Il était sublime. Mais. Et alors, il voulait pas aussi qu'il ait les rouflaquettes. Donc, Ah oui, c'est ça, ouais. dans le film, Ouais. il a pas de rouflaquettes. Et comme tu viens de le dire, ce film aurait pu ne pas se faire. Donc, il devait faire son service militaire et il a dû demander une autorisation de l'armée de pouvoir reporter son départ à quelques mois pour pouvoir faire ce film. Et Michael Curtis, c'est Casablanca, quoi. Avec Humphrey Moi, c'est pas mon Bogart. préféré de Michael Curtis, mais c'est le plus. Enfin, tout le monde connaît Casablanca. Moi, mon préféré de Michael Curtis, c'est Angels with Dirty Face, les anges aux figures sales avec James Cagney et son pote. J'ai oublié le nom, Pat. Moi, quand j'étais gamin, c'était Robin des Bois, évidemment, Michael Curtis, parce que c'est aussi, entre autres, parce qu'il y a eu d'autres réalisateurs, mais c'était les studios, donc on mettait des tas de réalisateurs, parfois c'était un autre qui finissait le film. Mais puisque là, il y a eu Michael Curtis, il y a eu William Niley qui a réalisé aussi des séquences, mais c'est surtout un film de Curtis. Et donc, les aventures de Robin des Bois, c'était un truc de gosse, quoi. Quand j'avais vu ça, je crois que je devais aller à l'école et ça passait tard. Et on me dit, bah non, tu dois être couché. Mais je dis, c'est pas possible. Il y a le mec qui est en col en vert, il saute dans tous les sens. C'était Errol Flynn. Et après, les deux meilleurs films pour moi avec Errol Flynn, c'était Captain Blood et L'Aigle des mers. Qui sont Film. tous produits par. Wallis? Oui, parce que Wallis était à Warner Bros. Au moment, mais c'était un grand ponte à ce moment-là. Ça allait rester, mais un peu plus vénal à la fin, quoi. Tout à fait. Enfin, de toute façon, c'est un producteur, donc c'est forcément vénal, surtout à Hollywood, mais bon, il y avait peut-être moins d'exigences artistiques à l'époque où ils ont tourné King Creole. Je pense, j'imagine. Wallis, c'était plus. Mais j'ai lu dans le livre de Michael Curtis qu'ils ont pu, grâce à un peu détourner la censure, parce que le film. C'était encore le Codace, à mon avis, non? Oui, C'était où mais ça allait bientôt finir, je ça allait crois. bientôt finir. Et justement, dans ce film, il a pu prendre une liberté qu'il avait pu avoir dans les années 30. Et ça se ressent avec le personnage. De Caroline Jones, Tout à fait. qui joue une vieille pute. Faut le dire, c'est pas du tout, mais je veux dire, son personnage est tellement bon, parce que c'est vraiment une femme qui a.
Enfin, on sent qu'elle a vécu, son personnage est passé par des trucs terribles. Elle est maquée à Walter Matthau dans le film, qui la traite comme de la merde. Elle est alcoolo. On sent vraiment qu'elle est usée par la vie. Et elle va avoir dans ce film une petite lueur d'espoir grâce à Elvis, mais de courte durée, on n'en dit pas plus. Tout votre amour. Alors aime-moi, Danny. Donne-moi un jour de ta vie et aime-moi. Caroline Jones, pour la petite histoire, c'était Morticia Addams dans la série La Famille Addams. Ça, c'est juste pour resituer, parce qu'elle a vraiment une tête. Elle est belle, mais elle a quelque chose. Il y a un truc étrange dans son visage. C'est pas qu'une jolie femme, non, c'est pas des bras Padgett. Elle aura pas pu jouer ça. Elle est touchante et elle a quelque chose de vicieux en même temps. On ne sait pas si elle va le trahir dans le film ou si. Voilà, on ne sait pas quel jeu elle joue. Et après, elle va du côté d'Elvis, évidemment. Et c'est dans ce film que j'ai découvert personnellement Walter Matthau. Ah. How about that, huh? Who's this guy, Ryan? The king of Yugoslavia. How should I know? Take your hand off my arm, Mr. Oui, c'est vrai que pour les gens qui connaissent Walter Matthau avec Jack Lemmon, c'est pas du tout le même personnage. Bah non, là, on est dans un Walter Matthau vraiment crédible en gangster, super tordu, quoi. Il a joué des tas de choses. On peut dire Walter Matthau a joué, il a une palette incroyable. Il a joué des détectives, des flics, il a joué dans un Don Siegel d'ailleurs. Tuer Charlie Warrick, qui est un bon Don Siegel où il joue un type qui vient de commettre un hold-up, je crois, dans le film. Donc c'est un gangster. Il joue un gangster bon, enfin qui bat sa femme, je crois, j'imagine, mais je me souviens plus du film, ça fait longtemps, mais il joue un personnage assez complexe, et il a aussi joué un flic, aussi, dans un film de Stuart Rosenberg, Le flic ricanant. Mais très sérieux, le titre a l'air un peu con comme ça, mais il joue un détective qui enquête et qui est très dépressif, quoi. Mm-hmm. Donc Walter Matthau, un grand acteur, loin des comédies, drôle de couple, tout ça, qui est capable de jouer vraiment beaucoup de choses. Et il y a un autre personnage emblématique dans ce film, qui est aussi un second rôle, mais qui a eu une carrière assez longue, mais qui a terminé assez tragiquement. Vic Morrow. Mm-hmm. Ouais, Vic Morrow, ça c'est, il est jeune. Hein, je pense qu'il a plus ou moins l'âge d'Elvis, hein, un peu plus vieux peut-être. Mais... On l'a connu après, on parlait dans le précédent épisode avec la quatrième dimension, on parlait de ça. Et il a fini dans un épisode de la quatrième dimension assez tragiquement, puisque c'était pas un épisode, c'était le film produit par Spielberg, et c'était en fait une tentative de faire revivre la quatrième dimension dans un long métrage avec plusieurs sketchs, dont un réalisé par John Landis, le réalisateur du Loup-garou de Londres. Et dans ce film là je sais pas ce qui est... En tout cas, Landis a été en procès parce qu'à mon avis les sécurités n'étaient pas prises. À mon avis, ils ont tourné ça un peu à la va-vite. Parce que ce mec-là est mort sur le tournage de l'épisode réalisé par John Landis, décapité par une pale d'hélicoptère, avec les deux enfants qui tenaient dans les bras. Parce que c'était un type dans l'histoire qui va... il se retrouve dans plusieurs époques différentes. Il se retrouve dans les camps de concentration, il se retrouve au Vietnam. Et là, il est au Vietnam. Il sauve deux gosses, alors qu'il se fait bombarder de partout. Il y a un hélicoptère qui devait les raser, sauf que l'hélicoptère est tombé. Les pales comme ça et tout, tout, tout. A helicopter crash near Magic Mountain today brought tragedy to the set of the Steven Spielberg movie The Twilight Zone. Actor Vic Morrow and two small children were killed when the chopper came down as they were shooting a war scene. Rick DeReyes reports it happened early this morning. C'est vraiment la période Fureur de vivre, on est d'accord. Déjà même Elvis. Bah oui, mais c'est pour montrer le choc des générations. Même Elvis, on sent qu'il essaye. D'ailleurs, je dirais même qu'il est meilleur que James Dean, il en fait moins. Ça, tu vois, peux dire. C'est beau, c'est beau. Parce que James Dean, on dit toujours qu'il a un jeu naturel, mais il suffit de voir ce qu'il fait, il est très théâtral, quoi. Alors que là, Elvis, il est sobre. Évidemment, James Dean est sans doute meilleur acteur parce qu'il a joué plus de. Bon, il n'a pas joué beaucoup de choses, mais il avait une palette un peu plus large. Mais alors, donc c'est vraiment la tentative un petit peu de copier quand même la Fureur de vivre dans les rapports avec le père.
Il y a ça, il y a cette relation avec le père, bah, c'est l'époque, c'est le rock'n'roll, c'est ça. Mais c'est ça, c'est simplement c'est se révolter contre les parents. C'est l'époque qui veut ça, c'est le choc des générations. Je pense que, comme tu dis, dans le film, c'est bien montré. Elvis est un révolté et il supporte pas de voir son comme père Dean se faire humilier. Sauf que dans Le Fureur de Vivre, la scène était plus tragique, c'est que le père en plus était humilié, mais par sa femme. Par la mère de James Dean, et on le voyait en plus ramasser avec un tablier, tu vois, c'est lui qui faisait même la vaisselle et tout, et James Dean le regarde vraiment avec un regard tragique, tu vois, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi, il le relève, je crois, en plus, tu vois. Je comprends, mais je veux dire, moi aussi, je suis touché quand je vois le père se faire tabasser. Ouais, et en plus, Elvis, après, qui sait que c'est sa faute. Non, c'est très beau. Et la fin du film, avec la chanson, quand le père apparaît, c'est... Mais il a été un peu sacrifié, je trouve, dans le scénar. C'est-à-dire qu'il est présent vraiment au début, et après, il disparaît, quoi. On le retrouve qu'à la fin, le père. Enfin, en tout cas, il y a un manque d'équilibre. Parce que le film bascule aussi, après, dans... Il y a Walter Matthau. Avec Walter Matthau. Mais c'est une autre figure paternelle, un peu, tu vois. Ouais. Plus, ce qui est intéressant à dire aussi, c'est que ce film, qui devait se dérouler dans le milieu de la boxe, donc ça a changé parce qu'il fallait évidemment mettre Elvis, et donc il valait mieux qu'il chante plutôt qu'il boxe, parce que d'ailleurs, ils auraient mieux fait de changer ça dans un autre film d'Elvis qui s'appelait Kid Galahad, et qui est, pour l'anecdote, un remake d'un film de Michael Curtis. Donc, c'était un film de Michael Curtis qui a été refait. Avec Elvis, Charles Bronson, dans le milieu de la boxe toujours, mais qui est un film un peu moins bon. Même si le réalisateur, Ralph Nelson, n'est pas un horrible tâcheron. Restons honnêtes, si on devait comparer King Creole avec Kid Galahad, c'est sûr que c'est un autre niveau. Et si on compare la version de Curtis avec le Kid Galahad d'Elvis, c'est foutu aussi. Kid Galahad, c'est un film produit Elvis Presley, qui est fait pour les fans d'Elvis, à voir au second degré, et sans prétention, et ça reste un bon divertissement, mais qui n'est pas comparable à King Creole et au film original de Michael Curtis avec Humphrey Bogart. Il y a Charles Bronson. Il y a Charles Bronson et... Qui ne s'est pas bien entendu avec Elvis. Enfin... Bon, disons que Charles Bronson était un taciturne. Mais ça ne se voit pas à l'écran. Dans le film, on ne l'a jamais vu aussi souriant. Mais Elvis était très content de pouvoir tourner avec Charles Bronson. Mais Charles Bronson se moquait un peu d'Elvis parce que Elvis faisait... il était toujours entouré de ses copains et c'était la période où il avait commencé à découvrir le karaté. Karaté. If you can relax doing this, I don't know. Elvis casse une planche devant tout le monde, tout le monde applaudit, ouais. et alors on entend derrière un petit... Le Bronson qui trouve ça ridicule, et alors il y a quelqu'un dans l'entourage d'Elvis qui dit, t'as qu'à faire la même chose, hein. Et puis Charles Bronson a pris une planche et... Je te laisse terminer, Stéphane. Ouais, il s'est éclaté la main sur la planche, quoi. Et la planche n'avait rien. Oui, et alors, dans l'anecdote, il y a un livre qui a été... On mettra les références, on mettra la pochette du livre, mais qui a été écrit par, à mon avis, un ancien assistant, en tout cas, qui a raconté tous ces tournages de films, dont celui-là, parce que je ne sais plus son nom, mais son nom va apparaître, ainsi que la pochette du livre. Et dans ce livre-là, il raconte que, je ne sais pas, il faisait quelque chose, et au détour d'une caravane, il a vu Charles Bronson en train de se prendre la main et de faire... Oh non, j'ai mal, quoi. Et il était en train, et c'est pour ça que dans le film, à un moment, on voit Charles Bronson avec plein de trucs sur les mains. Et c'était pour ça qu'ils ont essayé de cacher sa main qui était fracturée. Voilà, c'est apparemment. Ça. Apparemment. J'ai pas vu le film, donc je sais pas à quel moment il a sa main fracturée. Bah, il se fait torturer par. Et c'est peut-être pour ça donc qu'ils l'ont caché. Peut-être que, je sais pas, il faudrait lire ce livre de ce mec, mais il détaille cette séquence où il casse la planche. Il se fait, voilà, c'est triste. J'adore Charles Bronson, mais il s'est un peu ridiculisé là. L'histoire de King Creole, ça on va peut-être la dire. On a un petit visiteur. Je crois que l'histoire de King Creole est intéressante parce que l'histoire de King Creole, ça me rappelle un... Oh, dommage. J'aurais voulu faire comme Klaus Kinski quand filmé par Herzog qui tenait le papillon comme ça. Et dann sehe ich ihn mit einem Schmetterling ganz sachte, ganz leicht,
Das kleine Wesen will nicht fort von ihm und ist so zutraulich, dass mir manchmal scheint, Klaus selbst wird zum Schmetterling. Revenons, parlons de l'histoire de King Creole, parce que c'est en fait c'est il n'y a pas une intrigue dingue, quoi. C'est presque psychologique, quoi. C'est non, mais c'est un drame psychologique, voilà, même s'il y a des chansons, c'est pas une comédie musicale, c'est un drame psychologique. Et l'intrigue commence avec Elvis Presley, qui est un jeune étudiant, qui vit avec son père et sa sœur, mais qui sont pauvres, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et lui est un brillant étudiant, en plus. Non. Si, c'est un brillant. Il a raté son année, voilà, l'année d'avant, parce que il a un comportement un peu rebelle. Et on lui a donné une seconde chance, mais il a dû refaire son année. Et c'est la fin de l'année. Dans le film commence, c'est la fin de l'année scolaire. Et pour aider sa famille, son père, il travaille dans un bar, mais. Mais son père veut qu'il finisse ses études. Et lui ne veut pas. Non, mais tu vas trop vite. Non, mais si, c'est dès le début. Parce que... Oui, c'est le début, mais tu vas. Au départ du film, Elvis, normalement, il doit réussir son année. Il a son diplôme. Il est sûr et certain, il n'y a pas de problème. Son père est content. Et le film commence quand il va à l'école. D'abord, il doit aller nettoyer. Attends. C'est compliqué à raconter. Non, c'est pas compliqué. C'est parce que je dois me remettre le film. Tous les matins, avant d'aller au cours, il va dans un bar pour nettoyer. Et c'est là qu'il fait la connaissance de Caroline Jones. Sois fidèle à ta personne et ta vie suivra son cours. Sois fidèle à ta personne. Faut en avoir les moyens. Présent, excusez-moi, mais ma mère doit m'attendre en ce moment avec une tasse de thé. Reste ici, t'as jamais eu de l'air, assieds-toi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu cherches la bagarre, hein? Non, mais je suis comme elle, j'ai envie de sortir d'ici. Oui, emmenez-moi. Fiche le camp et mêle-toi de tes affaires. Ah! Relève-toi, allez, debout. Alors, tu vas pas pour le méchant. Elle a besoin d'une bonne rentrée. Venez, allons-nous-en. Cette fille-là le raccompagne jusqu'à son école et malheureusement pour lui, suite à une remarque un peu douteuse sur Caroline Jones, Elvis lui flanque son poing sur la figure. Hey, Danny, tu rougis, mon vieux. Et il est renvoyé de l'école. Au grand dam de son père qui l'attend à la maison pour fêter son diplôme. Et c'est là qu'Elvis lui annonce qu'il est renvoyé et qu'il laisse tomber l'école et qu'il va travailler comme chanteur. Un bon coup, en pleine figure, et sais-tu ce que tu as fait? Rien. Rien. Quand on vous cogne dessus, il suffit pas d'encaisser, il faut rendre les coups. Tu peux te dégonfler, mais ne m'oblige pas à en faire autant. Elvis va travailler, et dans ce bar, il revoit les gens avec qui il a eu des problèmes au matin, qui sont accompagnés du grand patron, Walter Matthau. Pour le ridiculiser, il lui demande de monter sur scène pour chanter une chanson, et c'est là que les problèmes commencent. If you're looking for trouble, you came to the right place. Et il va se retrouver impliqué avec des gens plutôt douteux, incarnés par Walter Matthau, et il va devoir choisir entre justement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde justement ma vertu ou est-ce que je plonge complètement? Et il y a ce personnage de Caroline Jones qui est un petit peu le lien qui lui permettrait de basculer un petit peu. Tu vois, il se rapproche toujours vers elle et on se dit, elle va le pervertir. Et au final, c'est Elvis dans le film qui va au contraire la racheter. Mais voilà. Ce qui est surtout important dans le film, c'est faut retenir vraiment la performance des acteurs. Pas nécessairement Elvis, mais ils sont tous bien. Ils sont tous bien. Ouais. Il n'y en a pas un qui écrase l'autre. Et c'est ça qui fait la force aussi du film. Et la réalisation. Et la réalisation qui est... Qui est classique, mais voilà, qui permet de...
de rendre crédible tout ce qu'il fait, quoi. Même quand il se bat dans une ruelle, ben voilà, tout de suite c'est crédible. On voit que le truc a été bien mis en scène, c'est filmé simplement, mais il y a un choc. And I believe in an eye for an eye. Il faut savoir qu'il y a quand même 10 chansons dans le film et ils ont toutes leur place. Ouais, on les sent pas. C'est vrai que moi, pour moi, il y en avait que 3. Tellement elles sont passées facilement. Non, elles ont leur place. Ils chantent. Ils chantent et c'est tout à fait normal. Et voilà. Donc, c'est un film dont Elvis était fier. C'était son film préféré. Et on peut dire que ce film-là, la critique était unanime. Et franchement, ce fut vraiment une fierté pour lui de faire ce film. Après, King Creole, il part à l'armée. La promesse qui a été faite à Elvis, c'est qu'il devait tourner Jay Blues et qu'ensuite, on le laisserait faire deux films sérieux, sans chansons ou presque pas. Ces deux films seront Flaming Star et Wild in the Country. C'est de Flaming Star dont nous allons parler aujourd'hui. Ah ouais, je pensais qu'on était dans la prochaine séance. Merde, ouais, d'accord. Je pensais qu'on était toujours en King Creole, moi. C'est vrai ? Ouais. Mais non, puisque tu m'avais dit après King Creole. Moi, j'aurais préféré que tu dises qu'on parlera dans la semaine prochaine. Ah, mais c'est parce que comme tu m'avais dit l'armée... On va refaire juste un peu avant. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, n'essayez donc pas de régler l'image. Nous avons le contrôle total de l'émission. Pendant ce temps-là, Al Wallis a prévu déjà un film pour son retour. Ça sera G.I. Blues, inspiré de son service militaire en Allemagne. Ça sera le premier film dont on pourra vraiment parler d'Elvis Exploitation, c'est-à-dire chanson, jolie fille, romantisme, et un Elvis très gentil, qui dit jamais de gros mots, pas de sexe, qui sera un succès. Les deux films suivants seront produits par la 20th Century Fox, et ce sera Flaming Star, qui sera notre prochain film dans la fin de séance. Fin de séance. Et Wild in the Country, qui est aussi un film dramatique. Réalisé par qui ? Philippe Dunne. Ah ouais, pas mal. Avec Hoplanche. Hoplanche, qui est la femme de Charles Bronson dans Le Justicier. Ah, c'est Hope Lange. Oui. Hoplanche, quoi. Hoplanche, quoi. J'avais pas compris. Hoplanche, je pensais que c'était une marque de vaisselle. Contrôle du balayage horizontal, contrôle du balayage vertical. Avec Hope Lange. Tout à fait, qui a tourné aussi avec Charles Bronson. Hein, dans le, incroyable, dans le justicier. Alors. Dans c'est le justicier, fou, c'est sa femme qui se fait violer. Par Jeff Goldblum. God damn rich cunt! I kill rich cunts! Mother's getting the shit kicked out of her. Peu de gens le savent. Oui, tout à fait, c'est un de ses premiers rôles, ouais, mais c'est vrai. Et l'autre film sera Flaming Star, qui sera aussi notre prochaine fin de séance. Voilà. Et ça, on vous laisse. Projection. Allez, j'espère qu'il sera bon. Hein.